Et salut tout le monde, c'est Ibok. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour la suite de Detroit Become Human. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on reparte dans cette merveilleuse histoire qui part dans tous les sens. C'est trop trop bien, j'adore. Alors, qui on va jouer? Là, je pense qu'on va jouer Kara. Ça fait un moment qu'on n'a pas joué Kara avec la petite fille. On vient de jouer Connor. Marcus s'est réparé dans l'épisode encore avant. C'est parti! Raviver le feu. Trouver du bois. Pfiou. Cyber animaux. Ouverture du premier zoo androïde, oh, c'est trop stylé. Le Canada prolonge l'interdiction des androïdes sur son territoire. Ah ouais, ok, très bien, le Canada, ils s'en battent les couilles totalement des androïdes. Ils sont complètement anti-androïdes. Nice. Et puis on va pas aller là-bas. Hein. Très bien. Elle fait sa marmotte. On va aller par là-bas. Tu vas bien, Ralph? Ralph. R9, R9. Très bien. Très bien. Oup, pip, oup, c'est quoi ça? De l'argent. Bah je vole. De toute façon, ça sert à rien à un Android. Une montre? Ah. Elle ne marche plus. Zut. Et un oiseau. C'est un oiseau robot ou c'est un oiseau qui est mort? Ah, c'est un oiseau qui est mort. Parfait! Chouette déco. Ça doit être les biens les plus précieux de Ralph. Oiseau mort. Oh! Oh là là! Le petit glitch. On a vu le dehors. C'est pas. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Je dois revisiter l'étage. Attends, il y avait un truc sur la gauche. Oh, une console. Retro gaming. Ah, mais c'est un miroir, je croyais que c'était un trou dans le mur. Se couper les cheveux. D'accord. Mais est-ce que elle aussi, elle peut retirer du coup son anneau sur le front, parce que là se couper les cheveux, changer les vêtements, tu vois, c'est ça reste quand même une androïde, c'est flag quoi. Tu coupes pas l'oreille. Et du coup elle, ça va pas repousser. T'imagines? Quand tu te coupes les cheveux. Oh putain, c'est trop stylé! Ah, elle est trop stylée! Oh, on peut changer! Oh, noir! Oh, les cheveux courts et noirs, c'est tellement stylé! J'adore! Attends, on peut tous les voir! Brun. Ouais, blond. C'est trop stylé.
Non, noir, laisse tomber, les cheveux courts pour une femme et noir comme ça. Ah, tellement bien. Et ouais, il y a ce truc. Ah, ça va faire mal. Non, avec les ciseaux? Ah non, avec les doigts. Ah si, avec les ciseaux! Ah, j'ai trop mal pour elle. Mais du coup, imagine dans la vie de tous les jours, hein, si tu coupes les cheveux, ça ne repoussera jamais. C'est trop la merde. Oh. Y a rien, hein. Y a rien dedans. Y a rien dedans, on a vu. Y a rien dedans. Oh. Merde. Oh merde. Oh merde. Mais c'est tout pour l'instant. Pourquoi ils Faut y sont aller. là? J'ai rien fait. J'ai On a des agents qui inspectent le quartier au cas où quelqu'un aurait vu quelque chose. Ok, j'ai crie à rien moi s'ils fait. trouvent quelque chose. J'ai même pas Qu'est-ce que volé. tu vas J'ai faire avec reposé elle? les trucs. Aucune idée. Ils ont appelé les flics parce que j'ai volé les vêtements du mec de... Mais non, c'est Superette. J'ai rien fait, what the fuck? Pourquoi ils sont là, les flics? Elle a pris le premier bus qui passait et est restée jusqu'au bout de la ligne. Sa décision n'était pas planifiée, mais fondée sur la peur. Les androïdes ne ressemblent pas à la peur. Les déviants, si. Ils peuvent être submergés par leurs émotions et Mais prendre des décisions non! irrationnelles. Putain, Connor, il va tellement me casser les couilles dans cet Ça ne dit épisode! toujours pas où elle est allée. Elle n'avait rien prévu et ne savait pas où aller. Elle n'est peut-être pas loin. Ah, va te faire foutre, Connor, je te déteste. Peut-être. Ralph a trouvé ça pour nourrir la fillette. C'est un raton laveur! C'est bon pour elle. C'est un cadeau. Pour dissiper les malentendus entre nous. Il faut qu'on se barre Ralph tout de va suite. Cuisiner. Nous allons faire comme les humains. Ils aiment la viande brûlée. Approchez. Venez vous asseoir. Il faut qu'on parte. C'est vraiment très gentil, Ralph. Mais il faut qu'on y aille. Y aller? Non, vous partirez quand la fillette aura mangé. On va manger ensemble, comme une vraie famille, avec le père, la mère et la fillette. Hein? Ok. Oh putain, la prise d'otage, mais c'est pas le moment! Putain, Ralph, tu fais chier! Ralph, c'est donner du mal pour trouver quelque chose à manger pour la fillette. Non, Ce mais non, pas mais. De sa part de refuser. Pire timing du monde! Pourquoi tu dis pas qu'il y a les flics dehors? Génial. Ça va être génial. Oh non. Succulent, vous allez voir. Succulent. Succulent. Le père, la mère, la fillette. S'il te plaît, Kara, je ne veux pas manger ça. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'elle avait hâte de manger. Elle a très faim. La petite humaine ne va pas le regretter. Ralph a trouvé le meilleur, le plus grand possible pour elle. Ça va être succulent. Succulent. Oh non. Vas-y. Mange. Ça a l'air dégueulasse. Mange! Mais laisse-la tranquille, cette pauvre gosse. Mange. Bluffer, il faut que je bluffe. Nous allons nous lever maintenant. Et nous allons partir, Ralph. Non. Quoi, non? Non, vous n'allez pas partir. C'est Ralph qui décide. Ralph, tu arrêtes tout de suite tes conneries. Tu as dit que tu voulais qu'on soit comme une famille, Ralph. Le père, la mère et la fillette, tu te rappelles?
père ne menacerait jamais sa fille avec un couteau pour la faire manger. C'est vrai, c'est vrai. Ralph, arrête tes conneries. Faut qu'on se barre, putain. Ralph, arrête tes conneries. Merci Ralph. Ralph s'est donné du mal. C'est pas grave, on t'aime bien, Ralph. C'est pour ça. Y'a aucun souci, on t'aime bien. Qu'il voulait que la fillette mange. Mais Ralph n'est pas méchant. On le sait, on sait que t'es pas méchant. Pas méchant. T'es adorable. T'es un amour, mais il faut qu'on se casse. Alors laisse-nous partir. S'il te plaît. Il y a quelqu'un ici? Non. Il y a du sang bleu sur le grillage. Oh putain. Je sais qu'un androïde est passé par là. Non, Ralph, sacrifie-toi pour nous. Non, j'ai pas joué Connor. Non. Non, me laissez pas jouer, je veux pas trouver Alice, je veux pas trouver Kara, non. Ah, mais non, mais bite. On va pas lui trouver des faux indices. Genre, oh, il est certainement parti de l'autre côté de ce grillage. Non, tu regardes pas par la fenêtre. Est-ce que tu regardes par la fenêtre? Vas-y, ils sont pas là. Il y a un androïde dans la maison. C'est Ralph. Yes, Ralph se sacrifie. Yes. Modèle WR600, jardinier. Ah ouais, mais c'est pas le bon androïde. Ah merde, il va se douter du coup. Trace de brûlure. Chair extrême. À cause du feu. À cause du feu. Où est le dernier indice? Les cheveux, non? What the fuck? Celui-là, je l'ai déjà? Attends, mais je suis débile ou quoi? Aïe! Non, là. Ok. Trouver ce qui stresse l'androïde. Je cherche une AX400. Mais j'ai pas envie de jouer ça. Tu l'as vu? Ralph n'a vu personne. Y a-t-il d'autres androïdes par ici? D'autres androïdes? Non. J'arrive pas à me mettre bien en face. Ralph est tout seul. N'aie pas peur. Je ne vais pas te faire de mal. Il y a du sang bleu sur le grillage. Je sais qu'un androïde est passé par là. Ralph s'est égratigné en passant. C'est le sang de Ralph. Et c'est tout? Ah, on peut voir des trucs et des machins. Ah, ouf! J'ai pas envie de les trouver. R9. Putain, mais le jeu, j'ai pas envie! C'est rigolo, au niveau de stress, il augmente et il descend en fonction de la proximité. Putain, mais le niveau de merde. Oh là là, Connor, mais va tellement te faire foutre, je te déteste. Quoi ça sert ça? Ah, on aurait pu interagir peut-être en bas. Ah merde. Qu'est-ce que tu fous, bordel de merde? J'arrive, lieutenant. Ah, elles sont à l'étage, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Non. Personne. Hein? L'androïde dit la vérité? Mais elles sont où alors?
Ok. Bah du coup, moi-même, je sais pas où est-ce qu'elles sont en fait. Mais what the fuck? Mais j'ai déjà vu le feu. Ah, il y a peut-être le lit. Attends, le lit. Non, regarde le lit. Mais non, mais ça, j'ai déjà vu. Tu m'emmerdes. Ou alors peut-être que je dois insister, je dois vraiment aller à l'étage. Mais non, mais what, je comprends rien. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois fucking faire? J'ai déjà vu le feu, j'ai déjà vu la table. Je peux pas lui reparler, non, je... C'est quoi, je dois attendre un timer caché? Les androïdes n'ont pas besoin de chaleur. Ah ouais, je dois peut-être laisser appuyer, attendre un moment, non? Je sais pas, je comprends rien. C'est peut-être ça, c'est peut-être en fait, faut que je laisse appuyer. En fait, j'ai peut-être lâché trop tôt le bouton. En mode, oh là là, ils vont manger, très bien. Ouais, c'est ça, ils ont disparu. Ok, et du coup, le dernier, c'est celui-là. Ok, non, autant pour moi, j'ai fait la merde. C'est pas le jeu, c'est moi, j'ai fait de la merde. Ok. On attend. Allez, oh. Connor, qu'est-ce que tu fous? T'as trouvé quelque chose? Non. Oh non, qu'est-ce qui se passe? What the fuck? Elle n'est pas là. Putain, non, le jeu qui plante va te faire... Deux crashs plus tard. Si tu bugs, je te tue. Connor, qu'est-ce que tu fous? Oh. T'as trouvé quelque chose? Il y a eu un mini-freeze, mais c'est bon. Non. Non, elle n'est pas là. Ouais, c'est pas comme si je te l'avais dit. Allez, viens, on se tire. Oh, ils étaient sous les escaliers. C'est pour ça qu'ils stressaient du cul, l'autre. Ok. Merci. Ah oui, c'est un trou. Protège la fillette. Il ne faut pas que les humains la trouvent. Oh là là, Ralph, il est badass maintenant. On l'adore, Ralph, il est trop cool. En vrai, s'il n'y avait pas eu deux crashs, ma santé mentale aurait été très bien. Malheureusement, je n'en ai plus. Et on est parti avec de l'argent, plus de l'argent. J'aime l'argent, j'ai trop bien l'argent. Pardon, excusez-moi, je suis complètement en train de péter un câble, c'est ouf. Alors... Carré Ali... Attends, il s'est passé plein de trucs. Il s'est passé plein de trucs trois fois. Alors, fou... Ah ouais. Et oui, réveillé dans le squat, mais t'aurais pu... Oh, il aurait pu se passer tellement des choses totalement différentes. Mais oui, mais totalement. Mais j'avoue, si t'étais à l'hôtel ou si t'étais dans la voiture, mais c'était sûr qu'ils allaient te retrouver, c'était sûr. Et tu vois, attends, Carré et Alice sont à l'abri dans le squat. Est-ce que du coup, bah, c'est sûr, il y avait des fins où t'étais capturé. Donc bref, attends, j'arrête de faire des... Ok, explore le squat. Il nous a manqué un truc. Je sais pas ce que c'est. Changer de coupe et de couleur de cheveux, ça c'est tellement bien. Ah, noir, cheveux courts et noirs, c'est tellement stylé. Retirer la lettre, trouver le cadavre dans la baignoire, descendre, la police arrive. Ralph veut manger en famille, on est obligé de s'asseoir. On n'a pas le choix. Je pense qu'en fait, si on était en mode, non, on s'assoit pas, ferme ta gueule. Je pense que Ralph ne nous aurait pas protégé en fait. Tenter de convaincre Ralph, Ralph s'excuse, ça c'est bien. Dérangé par Connor. Connor inspecte le squat, entrer dans le squat, interroger l'androïde du squat. L'androïde du squat ne dit rien. Yes! Parce que du coup, on l'a convaincu, putain, avec notre Oana. Oana signifie famille. Famille signifie qu'on doit pas planter un couteau dans un enfant. Très bien. Oh là là. Examiner la table. Mais du coup, il y avait un truc verrouillé. Mais non, mais on a examiné le rez-de-chaussée. Ah, c'était. Je sais pas, peut-être partir à l'étage. Je sais pas ce que c'était ce truc. Peut-être que si j'étais. Si j'avais mis Connor sous l'escalier, peut-être qu'il y avait une action cachée. Je sais pas. Peut-être j'aurais pu en fait trouver.
Mais je sais pas, moi sur mon radar c'était pas indiqué, du coup j'ai pas spécialement cherché. Je sais pas si sincèrement il pouvait. Si Connor pouvait trouver, mais d'un autre côté j'avais vraiment pas envie qu'il les trouve, donc à la limite tant mieux, je vais pas rejouer cet épisode pour qu'il les trouve. Franchement, cette fin me convient parfaitement. D'après plusieurs sources. Stop! Non, on en arrête là, putain, j'en ai marre, là les trois bugs ça m'a rendu ouf. Ok, guys, on va en arrêter là pour aujourd'hui. Je vais arrêter du coup, je crois que j'ai dû filmer 6 ou 7 épisodes, c'est pas mal. Donc, je vous fais plein de gros bisous, je vais monter tout ça et je vais essayer d'en sortir un par jour comme d'habitude. Et donc, du coup, bah, je vous retrouve très vite pour le prochain épisode de Detroit Become Human. Ciao les bisous!